Ça va nickel. Aujourd'hui, donc, on continue notre épopée sur tout simplement Game Dev Tycoon. Donc, Prisoner of Fear qui se vend encore ou qui se vend plus, je ne sais pas. Alors, donc deuxième épisode, on va faire des jeux sur les zombies, action et la TES fonctionne très bien au niveau des actions. Mais lui fonctionne un peu plus, mais lui a plus de parts de marché. On va le faire sur lui. On mettra le nom à la fin. Allez, c'est parti. Ah non, en fait, Prison Fear n'est plus en vente. Au niveau de l'histoire et quête, ça sert à rien. Le gameplay, par contre, est très important et le moteur, on peut le mettre au milieu. Voilà, en espérant que je gère assez bien le truc. Je ne sais pas. Alors. C'est vraiment une série calme en fait, tout simplement. Niveau des, on s'en fout. Ça, on peut le mettre là, voilà. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs saisons. On fera une première saison avec, bah, du coup, Persephone. Puis après, on changera un petit peu les. Voilà. On changera un petit peu le nom et puis on fera pas vraiment les mêmes genres de jeux. Ce que j'aimerais en fait, c'est faire à peu près les mêmes genres de jeux. Avec la même entreprise, comme ça on se caractérise dans simplement 3 ou 4 genres de jeux. Nouvelle recherche, ciblage du public. J'aimerais bien faire ça en fait, me caractériser en tant que créateur de jeux vidéo pour tel ou tel jeu. Et comme je kiffe l'horreur, on va se propager un petit peu sur les jeux d'horreur. Rappel sur le moteur de jeu, n'oubliez pas de créer vos propres moteurs. Ouais, bon, ça on connaît. Allez hop, il enlève les bugs. Voilà. Un jeu zombie action peut créer. On peut créer Dead Rising. Oula. Dead Rising. Dead Rising. Voilà. Ok. Publié. Alors je vais check quand même l'historique des jeux, histoire de voir un petit peu les jeux que j'ai créés. Zombie action, prison action. Prison action, allez, je crois qu'il a pas marché tant que ça celui-là. Animal virtuel simulation, histoire aventure. Ah merde, j'ai vraiment fait à peu près de tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me caractériser dans tout ce qui est horreur et simulation, je pense. Horreur et simulation, c'est cool. Enfin, horreur et simulation. Horreur, espionnage, peut-être. Horreur, espionnage. Et puis après on verra pour deux autres. On va essayer de se caractériser dans quatre grandes comment? Quatre grands critères. Alors est-ce qu'il a été bien noté? 5, ça va. Faut se rappeler qu'on est encore au début. On a créé que 6 jeux pour le moment. 5. Et 6. Ok, bon. Pas trop mal. On peut faire un petit rapport sur le jeu. J'aime bien faire des rapports, c'est très important. On a également 43 points de recherche. Du coup, là, on va dire aux zombies et enfin zombies, tout ce qui est zombie, horreur, tout ça, quoi, hein, tout ce qui va tourner autour de l'horreur, on peut le prendre avec nous. Son, ok, on s'en fout. Développer un nouveau jeu, on va créer sur l'espionnage. Espionnage, genre. Qu'est-ce que j'avais mis? Action, je crois. C'était ça, le tout premier. Notre tout premier jeu, c'était ça. Ouais, espionnage, action, qui avait à peu près bien marché. On peut faire une recherche également. Ciblage du public, ça c'est cool, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a? Ninja, comédie? Non, bon. Hop, une petite recherche du public. C'est très sympa les recherches du public. Ok, donc hop, ciblage du public terminé. On peut du coup prendre un nouveau thème parce que sinon on n'en aura pas de nouveau. Ninja par exemple. On peut également prendre le son mono qui arrivera juste après. Ok, et son nouveau. Comment? Sa nouvelle console devrait pas tarder à sortir. Par contre, entre deux, il va falloir que je crée un jeu histoire de me remettre un peu de. D'argent. Alors, tout public. Hein, on va créer un jeu tout public, espionnage action.
Selon la plateforme, bah toujours la même. Écoutez, celle-là elle fait 33, celle-là elle fait 38. Donc voilà, on peut pas faire mieux. Hop, commencer. Je vais essayer de le sortir avant qu'il ne soit plus en vente. Le moteur, on peut l'augmenter un peu. L'histoire et quête, on va l'augmenter un petit peu. Voilà. Il va bientôt plus. Voilà, il est plus en vente. 17 000 ventes. Ah, mince. Ok, les dialogues, on n'en met pas trop. On peut en augmenter un peu. L'intelligence artificielle, très importante dans ce genre de jeu. Et le design du niveau, j'aurais dû le descendre un peu, on s'en fout. Mince. Ok, le design du monde, on peut le baisser. Les graphismes, on baisse un peu. Et le son, on peut le baisser un peu. Voilà. En espérant faire un bon jeu. Ok, on attend que les 5 petits bugs se dissipent. Nickel. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Merci. Bon, alors, un autre jeu d'espionnage. Oh, ils viennent de sortir leur nouveau jeu. Leur nouvelle plateforme. Hop. Splinter Cell. Voilà. Ok, on va attendre que... voilà, les premières critiques. De toute façon, c'est le tout pour le tout, là. Soit il est bien, soit il est nul à chier. Ça va, un 6. Ouh, 8, très plaisant. Un 5, 6. C'est génial. Et le dernier, un 8. Plutôt pas trop mal, on s'en sort plutôt bien avec celui-là. On va faire un rapport sur le jeu, on va faire un petit rapport, histoire de voir... Normalement, on devrait avoir des nouveaux, un nouveau thème, vu qu'on a pris Ninja. Oh, ils ont trouvé sympa celui-là. Ok, alors on va sortir un jeu d'horreur action. Un jeu zombie action. Ok. Mon jeu zombie action de la dernière fois, je crois qu'il a pas fonctionné. Attendez, on va faire cette recherche-là d'abord. Il me faut 1,5 million pour pouvoir arriver à... au deuxième appartement. Donc il va falloir que je crée des jeux assez sympathiques. Alors, développer un nouveau jeu. Public averti, très important. Action, plateforme. Il faut qu'on achète la licence de la Master V. La TES est encore au-dessus de la Master V, quoi. Mais j'ai envie d'acheter. Au pire, je fais ce que je veux. Hop, suivant. Créer, go. Allez, espérons que Splinter Cell se vende bien. Les jeux zombie action, l'histoire on peut baisser un peu, le moteur on peut l'augmenter un peu, c'est sympa. Hein. Allez hop, c'est parti. Putain, j'ai déjà un bug alors que le jeu il a même pas commencé le développement quoi. Incroyable. Les dialogues on s'en fout, le design du niveau on peut le baisser un tout petit peu, l'intelligence artificielle c'est très important moi. L'intelligence artificielle pour moi c'est juste à peu près ce qui est le plus important. 35 000. Je crois que c'est le record des ventes de tous les jeux que j'ai fait pour le moment. Design du monde. Le graphisme, on peut l'augmenter un peu. Le son, on l'augmente. Bonjour. Accorder une interview. Ok, ils publieront la semaine prochaine. Ok. Pensons que les joueurs recherchent plus de contenu mature dans les jeux et nous sommes prêts à prendre le risque de leur en donner. Voilà, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment essayer de partir sur quelque chose d'assez compliqué, du coup. Puisque ça va être de créer des... La plupart de mes jeux de mon entreprise, ça va être de créer des jeux pour adultes. Donc, horreur, tout ça, simulation ovni, par exemple. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Dead Fear. Là, je vois pas trop comment je peux l'appeler. Attendez. Je vais l'appeler, je sais. Voilà. Allez hop, on le met en vente. Ah, j'ai un nouveau truc disponible, j'ai pas bien vu ce que c'était. Oula, ils aiment pas. Oula, ils aiment pas. Oula, là, 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 là. Ils aiment pas du tout. 5, et le dernier, bon, il y a en dessous de 5. 6, ça va, 2, 5, 2, 6, quoi, c'est cool.
faire un rapport, je vais voir pourquoi ils aiment pas. Ah, ils aiment bien les jeux PC, ouais, ça je sais. PC, c'est bon pour la simulation aussi. Correspondance plateforme master bonne. Correspondance plateforme. Plateforme publique master V, public averti. D'accord, ok. Alors, au moins, on sait que pour le public averti, il faut pas prendre la master V. Du coup, on va. Ça, c'est tout public. Public cible, tiens, on va se faire un petit prison. Prison simulation, ça a pas fonctionné. Prison simulation, ça a pas fonctionné. Animal virtuel et simulation, ça par contre, ça fonctionne. Par contre, il n'y a pas beaucoup de parts de bénéfices. Hein. Là, il y a 27% et là, 22. C'est pas grave, allez hop, on va tester. On va créer Nintendogs. Ils se vendent pas énormément. Histoire et quête, on s'en fout un peu. Gameplay assez intéressant. On peut le mettre à moitié, histoire et quête. Voilà. Ce sera bien. Il semble que les ventes initiales de Zombir soient bien en dessous des prévisions. Ah bah, je pouvais pas le savoir. Oh, 10 000 ventes quoi, c'est pourri. On va augmenter un peu de ça, design du monde on augmente. Ah, on a fait de la merde. On a fait des jeux de merde. Je pense qu'on va attendre un peu avant de se caractériser dans les différents jeux. On peut augmenter ça, on peut augmenter ça aussi. Ouais, je pense que je vais attendre un petit peu avant de me caractériser dans les différents jeux. Je vais attendre d'avoir pas mal d'argent et également d'être dans le second appartement. Je pense. Hop, je vais attendre un peu. Ok. Oh, Nova encore au niveau des Nintendogs. Voilà. Nouveau record au niveau du design. Je retire du marché. Nouvelle recherche disponible, meilleure expérience des utilisateurs. On peut faire une recherche. On peut faire des casual games. Je sais pas trop ce que c'est. On va faire la recherche. Meilleure expérience des utilisateurs. On va plutôt faire ça. Ça a l'air intéressant. Ah, première critique, attention. Oula, ça pue. Oula, bizarre. Ok. Après. 7, agréable. Ça peut le faire. 6, montre du potentiel. Et le dernier, 6, j'aime. Ok. Ok, bon. Ça devrait bien se vendre, je pense. On a 830 fans, c'est cool. On est quand même à la quatrième année déjà. Hein. Ça passe hyper vite. Hein. Hop. Ok, ça c'est fait. On va faire un rapport sur le jeu. Aujourd'hui, Navanto sort sa Gameling, sa nouvelle plateforme de jeu. Ok. Ça va déjà, Nintendogs, là, il dépasse les ventes du jeu d'avant. Je ne sais plus son nom, c'est pas grave. Mec, il crée des jeux, il sait déjà plus comment il les a nommés, quoi. Ok, alors, intelligence artificielle très importante pour ce jeu. Correspondance plateforme bonne. Correct, ok. Développer un nouveau jeu. Pour les jeunes. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme thème? J'avais pris histoire la dernière fois pour. Alors attendez. Historique des jeux, j'avais pris histoire. Histoire simulation, non. Aventure simulation, non. Histoire aventure. Il avait pas trop marché. Meilleur classement des ventes. Tout public. Fan 49. En fait, faut regarder le nombre de fans. 5,25. Il n'est pas trop fonctionné, hein, celui-là. Exemplaire vendu 9,2. Ouais, 12,2. 28. La Prison Fear a vendu quand même 28 alors que... Je crois que... Ah si, Prison Fear, ils avaient aimé. Prison Fear. Ouais, d'accord. Dead Rising. Splinter Cell, ils ont pas mal aimé. Zombier, par contre, ça a été le beat total. Ça, c'était mon téléphone.
Ok, donc je pense que ce qu'on crée un nouveau moteur, je pense qu'on va attendre un peu avant de se créer un nouveau moteur. Ou alors on le crée maintenant. On va le créer. Enfin, ça, honnêtement, ça me fait chier de le créer maintenant. Attendez, j'ai quoi encore? Je vais créer Casual Games. Je vais voir ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est le Casual Games. Ok. Casual Games. Avec succès. C'était quoi le Casual Games? Ah oui, c'est ça. C'est quoi le jeu casual en fait? Je sais pas. Je sais pas. Donc, du coup, on était ici en train de réfléchir sur notre prochain jeu. OVNI Action, ça pourrait le faire. C'est en rapport avec l'horreur, du coup. Enfin, plus dans la science-fiction. Mais, enfin, vous m'aurez compris. TES, elle fonctionne bien. Mais est-ce que la gaming ne fonctionnerait pas plus? Je serais tenté d'acheter la gaming. Je vais acheter la gaming. Merde, qu'est-ce qui va pas? Action. Voilà. Allez hop, on teste notre prochain jeu. Jeu retiré du marché avec 29 000 exemplaires. Au niveau du moteur, ouais, ça peut aller. Ça, on peut baisser un peu. Alors honnêtement, faire un jeu d'action comme ça sur une console portable, c'est très risqué ce que je fais. Nouvelle recherche sur le marketing. Ah ouais, c'est très très risqué ce que je suis en train de faire. Les dialogues, on peut descendre un peu. Design, intelligence, allez hop, on laisse tout à fond. Le mec il se gratte la tête quoi, n'importe quoi. Ensuite, le design du monde, ça dit moins, mais. Enfin, on va laisser comme ça, c'est sympa comme ça. Ok, alors, OVNI Action, Space Invader. Space Invader. Ça me semble être le bon jeu. Invader. Ok, nouvelle recherche, éditeur de niveau. On va faire des recherches déjà sur le marketing, ce qui est très important. Vous avez accumulé plus d'un million de cash, vous pourrez déménager. Ah, c'est 1 million, je crois que c'était 1,5 million. Ouais, donc ils sont en train de dire, on s'en fout. Ok, première critique de Space Invader. Oh, celui-là, ils aiment bien. Non? 8, yes. OVNI Action sur ce genre de plateforme, ça a l'air d'être bon. Non, un 10. Premier 10. Merde. Et le dernier 8. Ça va, on est très bien noté. Très bien noté. Première semaine, il va se vendre à combien? Oh, 27 000. 27 000. Vous pouvez maintenant faire des recherches de marketing. On peut faire le rapport sur le jeu également. C'est le dernier truc qu'on va faire pour aujourd'hui, je pense. Space Invader a établi un nouveau record avec plus de 50 000 exemplaires, pardon. C'est cool. Oh, Space Invader est au taquet. Là. Je vais attendre un peu. Je pense pas aller directement. Je vais attendre un peu, au moins avoir 1,5 million pour pas dépenser 1 million et me retrouver au chômage. Ok. Donc, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde.